la famille d'un si grand soleil s'agrandit. En effet, un nouveau personnage fera prochainement son arrivée dans le feuilleton quotidien de France 2. La famille d'un si grand soleil s'agrandit. Après Maëva et Karine il y a quelques semaines, le feuilleton quotidien de France 2 accueillera un tout nouveau personnage à partir du 28 juillet prochain. Cette fois, c'est la comédienne Nitsa Benchetrit, La vérité si je mens, de The Blackwaters of Ecospon, qui rejoint la série à succès dans le rôle de Nathalie, la mère de Tom, Matteo Pettel, et Emma, Sarah Jag. L'occasion d'en apprendre davantage sur leur famille. Accro au jeu et menteuse invétérée, cette mère de famille criblée de dettes ne semble pas être en très bons termes avec sa fille Emma. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme France TV, Emma s'aperçoit que le billet de 50 euros qu'elle avait dans son portefeuille a disparu. Sans attendre, la jeune femme appelle sa mère pour savoir ce qu'elle en a fait. Nathalie a beau assurer qu'elle n'y a pas touché, Emma ne la croit pas. Tu m'as déjà dit ça la dernière fois puis la fois d'avant. Arrête de mentir, je te jure, c'est insupportable, déclare-t-elle. Si Nathalie prend les choses à la légère, elle en a malgré tout assez que sa fille l'accuse tout le temps. En entendant cela, Emma sort immédiatement de ses gonds. En colère, elle lance qu'elle a gagné cet argent avec son travail et qu'elle n'a pas le droit de lui faire ça à chaque fois. Une fois qu'elle lui a rappelé être sa mère, Nathalie l'assomme de lui parler sur un autre ton, ce à quoi Emma répond, « Comporte-toi comme une mère, ça te changera avant de raccrocher. » Lasse de la situation, Emma va prendre une décision radicale au cours des prochains épisodes de la quotidienne. Comme le révèlent nos confrères de Télépoche, la serveuse de la paillote va ainsi quitter l'appartement familial pour s'installer au camping de Gary, Alban Omar. Tom va quant à lui décider de rester mais pourrait malheureusement retomber dans ses vieux travers pour venir en aide à Nathalie si l'on en croit les synopsis officiels de la chaîne. En essayant de trouver une solution borderline, l'adolescent risque de voir la situation se retourner contre lui. Emma pourrait alors mettre sa mère face à ses responsabilités. Nathalie décidera-t-elle de se prendre enfin en main pour le bien-être de ses enfants? Réponse prochainement dans Un si grand soleil. Nah.